Si vous n'assumez pas vos responsabilités, demain nos enfants seront des délinquants et il y aura des banditismes, des braquages, des rébellions, etc. Quand l'enfant, c'est pour ça que c'est très important, quand nous venons devant le drapeau, il faut enseigner le civisme à l'enfant pour qu'il respecte le bâtiment de l'État, pour qu'il respecte le chef de l'État, pour qu'il respecte tout ça. Donc c'est l'éducation. Il ne faut jamais négliger l'école qu'on vous a présentée. Parce que les enfants peuvent voir une école comme une mode. On peut envoyer un enfant à l'école et puis voir ça comme mode parce que son frère ou sa soeur va à l'école, donc il aimerait rentrer dans le système. Notre ONG, il n'est pas que seulement qu'en Guinée. Nous sillonnons. J'ai connu le Gabon, j'ai connu le Mali, j'ai fait un peu beaucoup de pays. En Côte d'Ivoire, j'ai un orphelinat. J'ai pu prendre des enfants de la rue et faire d'eux des meilleurs. C'est tellement simple. Un enfant, il faut le formater, il faut le transformer, il faut le mettre dans les conditions. Et donc, quand Bouli m'a adopté, alors, on commence par l'exemple de Bouli. Il y aura une prise en charge de l'ONG qui va commencer à les suivre. Si vous n'assumez pas vos responsabilités, demain nos enfants seront des délinquants et il y aura des banditismes, des braquages, des rébellions, etc. Quand l'enfant, c'est pour ça que c'est très important, quand nous venons devant le drapeau, il faut enseigner le civisme à l'enfant pour qu'il respecte le bâtiment de l'État, pour qu'il respecte le chef de l'État, pour qu'il respecte tout ça. Donc c'est l'éducation. Aider les personnes démunies, vulnérables, détourner les enfants de la rue pour les orienter vers le chemin de l'école, en créant en eux l'ambition vers l'excellence, construire des édifices scolaires et humanitaires, sont des objectifs que l'ONG Espoir de Vie s'est assigné d'atteindre. Dans cet après-midi de ce mercredi 21 avril 2021, le président de l'ONG Espoir de Vie a fait un déplacement sur le village Bili pour un cadre d'échange entre instituteurs, élèves et parents d'élèves. Il ne faut jamais négliger l'école qu'on vous a présentée. Parce que les enfants peuvent voir une école comme une mode. On peut envoyer un enfant à l'école et puis voir ça comme mode parce que, son frère ou sa soeur va à l'école, donc il aimerait rentrer dans le système. Notre ONG, il n'est pas que seulement qu'en Guinée. Nous sillonnons. J'ai connu le Gabon, j'ai connu le Mali, j'ai fait un peu beaucoup de pays. En Côte d'Ivoire, j'ai un orphelinat. J'ai pu prendre des enfants de la rue et faire d'eux des meilleurs. C'est tellement simple. Un enfant, il faut le formater, il faut le transformer, il faut le mettre dans les conditions. Et donc, quand Bouli m'a adopté, alors, on commence par l'exemple de Bouli. Il y aura une prise en charge de l'ONG qui va commencer à les suivre de telle sorte que si j'ai un problème de santé, nous les prenons en compte. Il faut dire que j'ai un partenariat avec une clinique. Donc, si y a un problème de santé, nous les prenons en compte. Saisissant le sens et la valeur des dits du président de l'ONG Espoir de Vie, ce membre de l'association des parents et amis de l'école tend une main d'aide. Ce qu'il vient de dire maintenant, c'est réel. Nous voulons l'avenir des enfants. Nous voulons l'avenir du village de Bili. Et nous voulons votre aide effective maintenant dans notre village. Quant au président de la jeunesse de Bili, il se dit être satisfait de l'effort qui est en train d'être consenti pour le bien de leur génération montante. Je suis le responsable d'une ONG appelée Espoir de Vie. Cette ONG, elle est bâtie en Côte d'Ivoire. Alors, si je suis qui sale un peu, je suis en Guinée. Et le village de Bili m'a adopté. Donc je suis fils de Bili. Comme je suis fils de Bili, mes activités vont d'abord se mener dans le village de Bili. Alors, notre vision c'est quoi? C'est de permettre aux enfants que vous voyez là, que vous enseignez, de leur amener à comprendre qu'on peut être au village, et si on est ambitieux, on peut devenir président de la République demain, à partir de l'école. C'est un peu notre sensibilisation que nous essayons de faire. Et le droit absolu d'un enfant, selon la charte de l'ONU, c'est que l'enfant a droit à l'éducation. C'est son droit le plus absolu. Priver un enfant de l'éducation, c'est de le tuer. Vous le tuez vivant, pendant qu'il vit les morts. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué, il devient une bénédiction pour lui-même, pour sa famille et pour la nation. Un enfant qui est mal éduqué, il devient une malédiction pour lui-même et pour toute la nation. Alors, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Comme le village de Bili m'a adopté, nous voulons justement faire quelque chose de très important.
être toujours à vos côtés dans le but de pouvoir nos jeunes frères, tout ça, nos enfants, tout ça, les sensibiliser à quelque chose de très important, leur amener à comprendre qu'à partir de l'école peut devenir quelqu'un demain. Et donc il aura un suivi, il aura un suivi qui va se faire à partir du suivi, voilà, et nous allons voir un résultat. Voilà, donc le but même de notre arrivée ici, c'est de vous accompagner en matière éducationnelle. C'est vrai que je ne suis pas guinéen, je suis africain. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je réside en France, mais j'ai une passion pour l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique se réveille. Si nous voulons être qu'on nous respecte, ça va dépendre de ce que nous apportons déjà en matière éducationnelle. Tous les pays qui se sont développés dans le monde aujourd'hui, ils ont misé sur une seule chose, c'est l'éducation. Il n'y a pas un remède miracle. Les Chinois, ils ne croient pas, la plupart ne croient pas en Dieu, ils sont des bouddhistes. Le bébé ne l'a pas touché. Non, parle français. Tu es madame docteur, médecin. Pourquoi tu n'as pas touché le bébé? Tu l'as gardé comme ça. Tu l'aimes bébé, vous parlez à lui. Je suis que c'est médecin, docteur, hein? Donne-nous les.